Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de courrier. Trois courriers que j'ai reçus. Et que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un courrier de Joyce. Alors, Joyce est une de mes fidèles abonnées. À qui j'ai rendu, j'ai rendu service. Elle trouvait pas les dies de chez Action, vous savez, les dies livres et tout ça et tout et tout et tout. Enfin bref, donc je lui ai envoyé, voilà, et ça lui a fait très plaisir, tellement plaisir que elle, alors j'ai déjà ouvert hein, parce que ça date d'un petit moment, elle m'a envoyé du coup. Plein de cadeaux, mais il n'y avait pas besoin, ça m'a fait plaisir, voilà, ça m'a fait plaisir. Je ne fais pas pour tout le monde, c'est pas peine de me demander, parce que là, en plus, j'ai bossé, toute la semaine dernière, là, je vais certainement aller faire un petit tour action une fois dans cette semaine, mais après, après, c'est la semaine de Noël, après, je pars pour les Nouvel An, donc, de toute façon, je n'aurai déjà même pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, vous êtes pareil que moi, on a plein de projets, moi j'ai encore plein de tutos que je voulais faire, mais on va pas forcément y faire Noël, on fera hiver, ça servira, et ça sera des tutos pour l'année prochaine, voilà. Je vais vous montrer quand même ces petits cadeaux, sa petite carte qu'elle a fait d'ailleurs tout de suite avec le petit chat, voilà, et je lis son petit mot, hein. Voilà, elle me remercie, du die avec la petite fille assise et le chevalet, voilà, et le chevalet. Et je te souhaite bonne fête de fin d'année, bien évidemment, à toi aussi. Alors, du coup, moi, je lui ai demandé, écoute, envoie-moi, ne me rembourse pas, envoie-moi un ou deux timbres, ça me permettra de faire un courrier, de rembourser, donc... Elle m'a renvoyé des timbres pour ça, mais elle ne s'est pas contentée de ça. Je vous montre sa jolie carte. C'est un très joli papier. Regardez, c'est un très joli papier. Elle a mis la découpe bonheur dessus et le petit chat de Dice. Regardez comment ça rend très très beau. Vous voyez, c'est vraiment superbe, chouette. Vraiment, c'est important, c'est un papier un petit peu, je sais pas, il a l'air un peu tissu. Mais elle ne m'a pas offert que ça, bien évidemment, ça aurait été bien. Ça suffisait, hein, je ne demande pas grand-chose. Il n'y avait pas besoin, hein. Elle m'a envoyé un Dice Bonne Année. Bon, ça, c'est super, hein, merci vraiment, franchement. Je vais faire des petites découpes, je vais le mettre tout de suite de côté. Mais voilà, il n'y avait pas besoin, hein, voilà, c'était pour te rendre service, te remercier de ta fidélité. Il n'y avait pas besoin. Mais elle ne s'est pas contentée que de ça. Elle sait que je ne mange pas de chocolat, que je fais très, très, très attention à ma ligne, vu ma sveltesse, vous l'aviez tout de suite deviné. Et elle, voilà. Elle m'a offert une tablette de chocolat. Alors là, je vais la cacher. Je vais la cacher, mais ça fera un très bon... je vais la mettre dans ma voiture. Comme je travaille dans le froid, ça ne fond pas. Oh oui. Pour la semaine de Noël, je vais voir. Mais elle ne s'est pas contentée de ça. Elle m'a offert aussi un magnifique petit paquet, regardez. Vert, très très joli. Avec à l'intérieur... Mais c'est n'importe quoi, en fait. Hein. Avec à l'intérieur, regardez-moi ça, une oxide. Ben, c'est trop gentil, mais je ne sais même pas si je l'ai ou pas. J'ai même pas eu le temps de regarder. Je te remercie d'avance, bien évidemment, mais faut pas, quoi. Je te rends service, je te dépanne, tu me donnes des timbres, un dice, un machin. Vous êtes vraiment super généreuses, les filles. C'est vraiment super, super gentil. Merci vraiment à toi. Je voulais pas montrer, mais j'ai fait mon nuancier Oxide. Je vous rappelle... que si vous commandez des oxides à la fée du scrap, et bien après vous avez accès aux nuanciers. J'ai vu qu'elles étaient toutes dispo sur Craftelier. Je m'en suis commandé deux. Et puis je vais petit à petit compléter ma petite collection. Regardez comment c'est.
J'en ai déjà pas mal, hein, quand même, hein. Mais j'ai encore plein de trous. Et ben d'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Est-ce que j'ai la Loki Clover? Alors, et ben je l'ai pas. Et ben écoute, formidable, regarde, ça va, hop, elle est là. On va tout de suite faire. Bah ben, écoute, vraiment, franchement, tu le savais ou. Ou t'as fait comme moi, t'as commandé deux fois. Moi, j'ai commandé deux fois la violette l'autre fois, donc je l'ai offert. Je l'ai offert. Eh ben, écoute, la Loki. Oh, puis alors, ah, mais alors, regarde, déjà comme ça semble être un superbe vert. Ah oui. Ah ouais, mais c'est le vert sapin. Ah bah ben, alors, parfait. Eh ben, écoute, parfait. Je vous le montre donc, c'est celle-là. C'est le vert sapin qui va aller tip-top pour Noël. Ah, mais trop chouette, hein. Donc, du coup, pour Noël, j'ai la nouvelle rouge. Et du coup, la Loki, bah, vous voyez, par rapport au couvercle, j'aurais pensé que c'était plus un vert pas tout à fait clair, pas tout à fait cette couleur-là. Bah, en fait, compte, non, non, c'est un magnifique vert, regardez. Trop, trop beau. Eh bien, écoute, vraiment, je te remercie encore, encore plus, doublement, je vais dire, parce que c'est vrai que ben, je ne l'avais pas. Voilà, super. Trop chouette. C'est vraiment un superbe cadeau. Je te remercie vraiment. Voilà, je vais. Et d'ailleurs, moi qui adore le vert, je ne sais pas si vous avez remarqué, en faisant le nuancier, je me suis dit, mais c'est la preuve que j'utilise toujours les mêmes. J'ai pas énormément de verts. Hein. Enfin, non, je dis ça, mais il y a dans les nouveaux, parce que voilà, les nouveaux, il y a quand même un autre vert en plus dans les nouveaux. Mais voilà, franchement, j'adore ce nuancier. Et je trouve qu'on voit bien, vous voyez, ça fait des grosses taches. Enfin, moi, je fais des grosses taches. Et je trouve que ça, on voit vraiment très, très bien. Merci. Encore une fois, bah de ce magnifique cadeau, de ces magnifiques cadeaux, hein, parce que c'est vraiment, il fallait pas vraiment, c'est super gentil. J'ai reçu aussi un petit courrier de Marie, alors moi tout est petit, mais ça n'a rien à voir, hein, Marie Gribouille, hein, qui m'écrit quand même assez régulièrement une lettre qui vient du pôle Nord. C'est ce qu'elle a écrit, regardez, elle a un tamponnage du pôle Nord. J'ai même pas ouvert. Faut dire quand c'est ma semaine de boulot, maintenant que je travaille une semaine de boulot, une semaine boulot et une semaine congé. Quand on a des semaines comme j'ai eu en ce moment, on fait pas grand-chose d'autre que on fait pas grand-chose d'autre. Oh, elle m'a envoyé une très jolie carte. Oh, c'est très joli. Ah, avec des flocons. Ah, ils sont beaux. Et un ATC doudou. Il est très beau. Pour me souhaiter déjà des bonnes fêtes à monsieur, à moi et à ma famille. Ben, c'est très gentil. Je vais te rajouter dans ma petite liste à écrire pour les fêtes de fin d'année. C'est très gentil. Regardez-moi cette très jolie carte. Très jolie. Avec, vous voyez, Elle doit avoir un dies ouverture là, vous voyez, ça a fait, c'est très très joli. Elle est vraiment très très jolie. Elle m'a offert des flocons, ils sont sublimes. Ils vont aller dans mon December Daily. Ils sont trop beaux. Regardez-moi ces flocons. Ils sont trop beaux. Elle a fait avec du papier épais, hein. C'est du papier aquarelle de chez Action. Qu'on n'aime pas utiliser en aquarelle, mais là comme ça fait des flocons superbes, superbement épais. C'est très chouette, vraiment superbe. Je vais les garder dans mon December Daily. Et puis, eh ben, ta petite ATC, elle va aller dans mon December Daily. Elle m'a fait une ATC doudou. Voilà. Regardez-moi comme il est beau. C'est joli hein, sur le craft. Hein. Très joli. Eh ben, écoute, je vais le laisser de côté. Je vais faire, je n'aurai pas le temps, peut-être cet après-midi, je ne sais pas. Je vais vous faire une petite vidéo sur mon December Daily, mais il faut absolument. Voilà, et ben, je mets dans ma pochette December Daily, dans ma grosse caisse December Daily, parce que ton ATC et tes flocons auront une petite place dans mon December Daily. C'est très très gentil. Après, j'ai reçu une énorme enveloppe toute
pailletée colorée et tout qui me vient de Marie-Pierre. Marie-Pierre qui m'écrit très souvent, très régulièrement. D'ailleurs, il y a un magnifique. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le récupérer, je verrai bien. Parce que des fois, on récupère, mais on ne s'en sert pas. Elle m'a mis un magnifique washi, regardez, avec des petits pingouins. Trop chouette. Alors, Marie-Pierre, hop, oh là là. Comme mon fruit de cadeau, c'est pas mon anniversaire, c'est au mois de février, mon anniversaire. Marie-Pierre, elle habite, vous savez qu'elle m'écrit souvent, tout simplement. Alors, je vais garder ça parce qu'il faut que je mette l'adresse de Marie Gribouille. Elle m'écrit comment? Assez régulièrement, vous le savez, vous vous en rappellerez forcément, puisqu'elle habite la Haute-Saône et que je me moque toujours des gens qui habitent la Haute-Saône. Oui. Oui, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Alors, est-ce que tu m'as fait une petite carte? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça que tu as fait? Je cherchais. Alors, est-ce que c'est là? Ou parce que la coquine, elle... Voilà, vous avez tout de suite compris. Elle m'a mis des étoiles, mais le truc n'est pas bien fermé. Je suis en train de perdre des étoiles. J'aime bien faire ça. J'aime bien mettre... C'est, enfin, surtout monsieur qui aime bien que je fasse ça. Alors, elle m'a fait une petite carte pour me souhaiter. Alors, elle a, regardez, une carte. Hop, je vous montre pas forcément le texte. Mais regardez, elle m'a mis plein de stickers partout. Bon, désolée. C'est ça le problème de pas filmer. Du coup, avec son téléphone maintenant, eh ben, j'avais oublié de couper la sonnerie. J'étais en train de vous montrer, je me dépêche, la suite du courrier de Marie-Pierre, donc avec sa jolie petite carte avec plein de stickers, de paillettes et tout, qui me souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Un trop beau stickers Père Noël, regardez. Trop sympa, merci. Et puis donc, elle m'a offert des embellissements. Alors, c'est avec, il y a des petites étoiles, il y a une petite couronne. Elle m'a fait un petit Père Noël qu'elle a colorisé. Regardez, c'est trop gentil, trop super. Elle m'a fait une magnifique petite, un magnifique embellissement, regardez. Avec de la jute, un rond, elle a mis de la jute. Voilà, trop joli. Une jolie petite étoile. Ça, c'est vraiment super joli, vous voyez, comme, comme petite création, c'est super sympa. Des petits stickers, comment, cadeaux, trop jolis. Et puis, la petite pochette que j'ai ouverte pour remettre, du coup, pendant que ma fille me parlait, les, hop, voilà, parce qu'il y a plein d'étoiles. Il y a plein d'étoiles. Alors, j'essaye de les laisser dedans. Donc, juste... Ben, c'est une image, hop, alors attendez, hop. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est une petite image pour moi, de la part de Marie-Pierre. Préparer la crèche, c'est célébrer la proximité de Dieu, c'est redécouvrir que Dieu est réel, concret, qu'il est amour, descendu vers nous. Une image, donc, bon, elle sait que je suis catho, hein, voilà. Avec plein d'étoiles, c'est pour ça qu'elle m'a mis plein d'étoiles différentes, c'est très gentil, et avec une petite pensée positive, voilà, au moment des fêtes de Noël. Merci Marie-Pierre, c'est très gentil à toi, c'est très gentil, je ramasse les étoiles, j'ai plein d'étoiles bleues comme ça partout. Voilà, et eh ben écoutez, voilà les magnifiques cadeaux, courriers, trois courriers, mais avec vraiment des magnifiques cadeaux, c'est très gentil à vous. Je vous remercie toutes les trois vraiment de votre générosité et de votre gentillesse. Et je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous.